Alors, chers amis ivoiriens, chers amis africains, chers amis du monde entier, je suis ce matin beaucoup triste depuis hier. Notre pays, la Côte d'Ivoire, a été frappé par un grand deuil. Nous avons perdu notre frère, notre ami, l'icône de la musique ivoirienne, l'ambassadeur de la musique ivoirienne. Nous avons perdu un combattant, un guerrier, quelqu'un qui nous a fait beaucoup plaisir. Il nous a fait beaucoup plaisir. Depuis hier, j'ai été abattu, mais finalement, j'ai réussi à me relever parce que je pense que dans la vie, ce qui doit être important, c'est de savoir se relever face aux difficultés. Ce matin, je fais ce direct, non seulement pour rendre hommage à un grand artiste, à un combattant, à un guerrier, mais surtout profiter de ce décès, encore de ce énième décès d'artiste, pour essayer de poser, dire certaines choses très importantes. Parce que chez moi, parfois, je le dis, il faut que, en Afrique, on apprenne souvent à prendre nos responsabilités et à corriger certaines faiblesses, certaines de nos faiblesses. C'est tellement important. Hier, j'ai suivi sur les réseaux sociaux les hommages, j'ai entendu beaucoup de choses. Mais à la fin de tout ça, on termine toujours par c'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui l'a voulu. Ça veut dire que Dieu, il crée les gens à son image. Il crée des hommes. Et puis après, il crée les conditions. Il dit, bon, vous allez partir, vous allez partir. Je sais, il est le Père suprême. Il est le suprême. C'est lui qui nous a créés à son image. Mais souvent, il y a des choses dans nos vies qui arrivent qui ne sont pas forcément Dieu. Qui ne sont pas forcément la faute de Dieu. Ça peut être la forme, la force, la faute à nous-mêmes, à notre entourage. Et puis à l'extérieur. Et puis à l'extérieur. Hier, j'ai été choqué véritablement par la mort de Didier Arafat. J'ai été choqué par la mort de Didier Arafat. Sur les réseaux sociaux, un jour, il y a eu un problème avec le fils, un de ses petits artistes qu'il avait bastonné. Et moi, j'ai fait une vidéo. J'ai fait une vidéo pour parler à Arafat. J'aime faire mes choses sans hypocrisie ni malhonnêteté. Parce que ce qui nous fatigue dans nos états, dans beaucoup de vies des hommes que nous sommes, il y a trop d'hypocrisie et de malhonnêteté. Nous, souvent, nous participons à détruire des gens que nous aimons par ignorance, sans nous rendre compte. Par ignorance, il y a souvent beaucoup de dérapages, même dans nos comportements. Ce matin, je vais parler à la Côte d'Ivoire. Je vais parler aux Ivoiriens et je vais parler à l'Afrique. Pour commencer, je voudrais d'abord présenter mes condoléances, toutes mes condoléances aux enfants, à la femme, aux enfants d'Arafat Diki. À sa mère, Tina, je voulais lui présenter toutes mes condoléances. Présenter mes condoléances à son manager, à qui je présente mes condoléances, mais surtout à son fan club, la Euro Gang, la Chine populaire. Je voulais vraiment vous présenter toutes mes condoléances sur ce matin. Je sais que ça n'a pas été facile, ce n'est pas encore facile pour vous. Mais sachez que je suis fier de vous. Parce que vous l'avez accompagné à un certain moment donné de sa vie. Vous avez été auprès de lui. Vous avez tout donné. Maintenant, vous devez être fort, chers amis. Je vous parle, je suis Zasso Patrick Dian Global. Je voudrais présenter toutes mes condoléances à son père spirituel, le ministre Ahmed Bakayoko. Je sais qu'il a beaucoup pleuré. En tout cas, cher ami, toutes mes condoléances parce que c'était ton fils. Tu as tout fait pour que Arafat soit un grand enfant, tu lui as tout donné, tu as été près de lui. Toutes mes condoléances et puis continue d'essuyer tes larmes. Nous pensons que ça fait partie des choses de la vie. Présenter mes condoléances aux Ivoiriens, à tous ceux qui l'ont aimé.
Et tous ceux qui ne l'ont pas aimé, mais chacun de nous a pleuré quelque part. Parce que c'est un humain, c'est un frère, c'est un Ivoirien. En tout cas, toutes mes condoléances. À l'Afrique et au monde entier, nous venons de perdre l'ambassadeur. Le Yorobo, le grand Arafat, des buzz, l'homme des buzz, l'homme de beaucoup de choses, mais un enfant très intelligent. Un enfant très, 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 très intelligent qui a su s'imposer. Pourquoi je rends hommage à Didier Arafat? Parce que quand je regarde sa vie, Didier Arafat est mort à l'âge de 33 ans. Chose, comme on avait notre artiste encore, Doug Saga, et moi à l'âge de 33 ans, nombreux artistes meurent à bas âge. Très jeunes, ils tombent. Mais pourquoi, généralement, nous tombons beaucoup? Parce qu'il y a assez d'ignorance. Il y a beaucoup de choses qu'on ne tire pas de leçons et des choses qu'on n'arrive pas toujours à corriger. Je suis maintenant dans les quarantaines, donc je dis, je suis quand même un homme mature, donc je sais de quoi je parle. Chers amis, je voudrais présenter toutes mes condoléances à l'État de Côte d'Ivoire, au président de la République, au premier ministre et à tout le gouvernement, à tout le monde. Je voudrais présenter encore toutes mes condoléances, restons forts. Chers amis, vous pouvez envoyer la vidéo à tout le monde parce que je vais parler. Je vais parler parce que c'est important. Il faut qu'on parle à un certain moment donné. Notre génération, nous devons maintenant nous réveiller et puis poser le débat. Chers amis, je rends hommage à Didier Arafat parce qu'il fait partie de la classe des jeunes comme nous. C'est-à-dire qu'ils avons connu des moments difficiles dans nos vies. Moi, personnellement, à un certain moment donné, j'ai connu des moments difficiles. Et quand je vois à chaque fois les jeunes tomber, j'ai beaucoup mal. Ces jeunes qui ont su s'imposer, qui ont su se battre, mais qui, à un certain moment donné, avec l'âge de la fleur de l'âge, ils commencent toujours à tomber. Ça me fait très mal. Nous faisons partie des enfants qui avons eu la chance d'être élevés par les grands-mères. Parfois, le père n'a jamais été là, la mère n'a jamais été là, mais il n'y avait que seulement le grand-père et la grand-mère. Et nous débattons dans la vie. On se débat pour nous donner une petite place. Quand la grand-mère n'a plus de force, le grand-père n'a plus de force, tu es livré à une autre vie. Mais dans cette vie, on a réussi quand même à essayer d'avoir une petite place pour pouvoir s'occuper de notre génération, la génération de nos enfants, nos progénitures. C'est important parce que ce que tu n'as pas eu avant, il faut te battre pour donner ça à tes enfants. Chers amis, Didier Arafat s'est battu. 7 ans après le décès de son père, Didier Arafat s'en va. Didier Arafat s'en va. Moi, hier, ça m'a fait mal. Parce que cet enfant s'est beaucoup battu. Mais il s'est battu seul. Oui, il s'est battu seul. Je le dis et je le répète, ça va profiter à tous ceux qui vont m'écouter. C'est des choses que je vais dire de façon sincère. Pour commencer, je vais vous faire écouter ce qui l'a propulsé. Jonathan, ouais, joli magicien, Jonathan, Chers amis, je ne vais pas être long. Je ne vais pas être long, mais
Je voudrais encore dire encore Yako à sa mère, à toute sa famille. Mais ce que je voudrais dire, parce que j'ai écouté beaucoup de commentaires, dans la vie, quand on est, il faut toujours se dire qu'on sera confronté à des adversités. Même du ventre de nos mères, il y a toujours l'adversité. Un homme doit toujours s'attendre à l'adversité. Que ce soit dans le milieu politique, dans notre vie et ailleurs, il faut toujours t'attendre que dans la vie, tu auras toujours des adversaires. Si tu donnes des coups, des gens vont toujours te donner des coups. Ça fait partie de la vie. Je profite hein, pour vous donner de quelques conseils. Ça fait partie de la vie. La mort d'Arafat, Doug Saga et autres artistes doivent maintenant ouvrir nos yeux. Ils doivent ouvrir nos yeux sur toute notre génération. Et puis éviter de participer à beaucoup de choses. Parce que souvent, nous sommes souvent complices par ignorance. Par ignorance, nous nous rendons parfois complices de ce qui arrive à nos amis. Regardez l'accident de Didier Arafat. J'ai entendu beaucoup de personnes dire c'est la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça peut être aussi la volonté des humains que nous sommes et de nous-mêmes. Notre entourage et nos parents biologiques. Ça peut être aussi notre volonté. Ça ne peut pas souvent être la volonté de Dieu. Dieu ne crée pas ses enfants pour les tuer à chaque fois. Non. Il faut qu'on arrête cet argumentaire parce que ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Je vais vous montrer quelques vidéos de la mort de Didier Arafat. Didier Arafat, tu organises une parade en pleine ville. Didier Arafat est un manager. Il a une équipe. Il a tout. Il a ses parents. Il a sa famille. Il y a l'État. Il y a tout un système. Didier Arafat, un artiste bien connu. Je le dis pour tout le monde, pour l'avenir, pas seulement qu'on va s'arrêter à Arafat. Parce qu'on a appelé aussi à tirer beaucoup de leçons. C'est important. On a appelé tous à tirer des leçons et corriger pour réduire le taux de mortalité. Parce qu'en Afrique, on meurt trop, on meurt trop, on meurt trop. On meurt trop. Nous mourons trop. C'est tout. Les jeunesses meurent trop. Donc, on va corriger pour essayer de réduire le taux de mortalité. Moi, je suis dans des pays ici où les gens quittent sur des montagnes à des milliers de kilomètres. Ils tombent. Ils ne meurent pas comme ça. Didier Arafat pour être paralysé, quand même, c'est bon, on peut le voir. On peut le voir. Mais Didier Arafat meurt. J'ai vu la manière dont il a cogné la voiture. Je vais vous montrer quelques images. Je vais commencer par un départ. Pour vous amener, vous tous, à vous réveiller et à nous battre ensemble pour corriger les choses et faire avancer la société. Regardez l'image de DJ Arafat. D'abord, premièrement, je l'ai vu sur un parking où il était en train de faire chauffer le moteur de sa moto. Sur un parking, il était en train de faire chauffer. J'ai vu ça en direct. J'ai regardé. Deuxième fois, je vois DJ Arafat qui est sur la moto. Je ne sais pas si c'est un carrefour où il doit maintenant prendre la voie. Entouré de ses amis, il était dans un t-shirt, sur une moto, à grande vitesse. Une moto à grande vitesse, s'il vous plaît. Didier Arafat sur l'autoroute, dans une moto à grande vitesse. Il n'est pas habillé, il est dans un t-shirt. Il n'a pas de casque, il n'a rien. Pas de casque, ni rien. Regardez la première image. Partagez la vidéo. Le danger en bas. Le danger en bas, là, là. Libéré ou de là. Les gars, pas une fois. Les gars, pas là. Très bien. Ça, c'est la première image. Il était sur la moto et il était entouré de ses amis. Deuxième moto.
moto. Troisième, c'est l'accident. Troisième, c'est l'accident de DJ Arafat. Où DJ Arafat, dans une caméra, ça dit, il y avait quelque part une caméra qui nous a donné l'image. Une caméra qui nous donne l'image. DJ Arafat en plein moto, en pleine vitesse. Et c'était à quelle heure? Une heure tardive, quand il y a les poteaux, les... l'heure était un peu tardive. C'était pas à quelle heure, je ne savais pas, mais regardez l'heure déjà entre vous, regardez, nous tous regardons l'heure. Une moto à pleine vitesse dans une agglomération, dans une commune où il y a du monde. Il y a beaucoup de voitures, il y a tellement de choses. DJ Arafat fait une parade à haute, à grande vitesse. Chers amis, c'est des choses que nous devons apprendre à tirer comme leçon. Je le dis, je le répète. L'ignorance, aujourd'hui quand nous tombons vite, c'est parce que il y a beaucoup d'ignorance, beaucoup. Trop d'émotions. Quand je parle souvent, on ne me comprend pas. Mais c'est tout ce que je vais éviter. Est-ce que, à qui la faute? La faute à qui? Est-ce que la parade de DJ, ici en Europe, quand vous voulez faire une parade dans une ville, la commune informée, la police, toutes les dispositions sécuritaires et autres sont déjà prises. Sont déjà prises pour faire les parades. Parce qu'on ne sait jamais. Dans les parades, on peut déborder. On peut cogner quelqu'un dans la rue, on peut faire ceci, on peut faire cela. Ceux qui vont faire la parade, est-ce que ces gens-là sont ici? Ceci, cela, on regarde tout ça. Quand vous regardez dans la deuxième moto, ici, regardons. Je vais vous ramener là. Est-ce que la parade de DJ Arafat a été autorisée? La commune où DJ Arafat a fait la parade, est-ce que les autorités de cette commune ont pris des dispositions? Parce que DJ Arafat, c'est vrai, c'est une icône. C'est pas aujourd'hui à crier partout, il est icône, icône. Mais quand on est une icône, quand on veut faire une cérémonie, toutes les dispositions sécuritaires et autres doivent être réunies parce que c'est des autres personnes qui vont engager, c'est des vies, des pères de famille qui seront sur ces motos-là, qui seront engagées. Non, il faut que des dispositions soient prises. Est-ce que la parade de DJ Arafat avait été autorisée? Nous connaissons déjà DJ Arafat, il avait déjà fait une fois un accident sur cette moto. Et sa chanson qu'on appelle Jonathan, son préféré, son ami et frère Jonathan est mort par accident de moto. Est mort par accident de moto. Quand quelqu'un aime la moto, il faut toujours prendre des dispositions quand il veut s'engager dans des centres de course. Ça n'a pas été fait. C'est ignorance. Que ce soit ses amis, tout le monde, manager et tous, ça a été de l'ignorance que moi je condamne avec la dernière énergie. Dites-leur que ces assos qui a dit, moi je condamne tout ça parce que ce n'est pas juste. Ici, je vois des gens qui font des parades. On sait comment tout se fait ici. Chez moi ici là, les gens font la parade, je sais comment la... Tout est déjà organisé. On sait comment ça se passe. On sait bien comment ça se passe ici. On ne peut pas faire une parade dans une grande commune où il y a des enfants, il y a tout le monde, où on va prendre des motos à haute vitesse et puis on ne prend pas de disposition. Aucune disposition n'a été prise. Aucune disposition n'a été prise. Ce sont des légèretés. Au niveau de la commune, parce que ici, ce sont les communes. Quand tu veux faire quelque chose, ce sont les communes qui on informe le maire, on informe la police, les sapeurs-pompiers, on met les médecins, tout. Là, en cas de quelque chose, automatiquement, on réagit. Ce n'était pas le cas. C'est une icône de la musique ivoirienne. On est tous contents aujourd'hui qu'il est icône. Mais une icône, quand il veut faire quelque chose, on crée des dispositions. C'est pour ça que dans une ville, quand des gens veulent faire des choses, il faut d'abord éduquer les populations. Et même quel que soit qui il est, il faut leur dire que dans cette ville, quand tu veux faire ça, tu veux faire ça, tu veux faire ça, voilà les conditions à réunir. Il faut que dans nos états, on apprenne à corriger ces choses. C'est tellement important parce que je vois à Abidjan, des gens en pleine ville, tu conduis très mal et tu tues même des innocents. Que ce soit les bacamans, les taximètres et autres, dans leur conduite euphorique, tuent des innocents. Beaucoup d'hommes sont, ce n'est pas seulement DJ Arafat, mais il y a beaucoup d'innocents qui meurent dans ça. Trop d'innocents meurent dans ça, trop d'innocents. Parce que les gens ont toujours l'excès de vitesse dans des grandes communes, dans des grandes villes, c'est l'excès de vitesse. Quand ils sont sur les grandes routes, ils ne font pas excès de vitesse. Hein. Mais quand ils sont dans la ville, ils veulent qu'on les regarde. Mais c'est pour ça que nous créons des sociétés
Parce que dans nos comportements, dans nos sociétés, des gens ont leur comportement. Pour canaliser les gens, on met des lois, on met des structures, on met des systèmes pour amener à canaliser le comportement des uns des autres. Pour ne pas que le comportement des uns des autres agisse sur la vie des autres. Donc, on crée de sorte qu'il y ait un minimum de respect. Que n'importe qui ne fasse pas n'importe quoi. Regardez ce qui arrive à Didier Arafat. La nuit, Didier Arafat, une moto. Dans une ville en pleine vitesse. En pleine vitesse. Sur la deuxième moto, regardez ici. Est-ce que Didier Arafat était vraiment lucide? Regardons la première image. Parce que je le dis pour les autres enfants qui aiment la moto. Regardons déjà d'abord ici le départ. Regardons ensemble le départ. Le départ, Didier Arafat n'avait pas de casque. Il n'avait même pas de casque. Didier Arafat n'a pas de... Ici là, même mon fils, quand il veut faire vélo là, il a des casques. On met des casques aux enfants, c'est autorisé. Un enfant là, quand il va faire des vélos, il va sortir parce qu'il peut traverser la route, il peut faire ceci, il peut faire cela. Non, on met déjà des casques, on protège l'enfant. Il y a d'autres enfants, quand ils veulent faire la moto, on leur met des vêtements. Des vêtements qui consistent à protéger certains membres du corps. Parce qu'on ne sait jamais le cou, tout ça, ça se protège. Des dispositions sont prises. Moi, j'ai des amis ici qui vendent des grosses motos. Quand ils veulent sortir, là, je suis là, je vois comment on prend des dispositions. Je vois comment les choses se passent ici. C'est la rigueur, c'est la fermeté. Parce que c'est la vie humaine. On est dans une société où il faut être rigoureux pour recadrer les uns et les autres. Malheureusement, chez nous, souvent, tu es là, en pleine route, au bord de la route, un taximètre vient à pleine vitesse, il cogne une petite fille. Elle est couchée dans la rue, le taximètre est parti. Les gens roulent, alors qu'ils ne sont même pas réglementés. Ils roulent comme ils veulent. Ils conduisent comme ils veulent. Mais ces humains, ces gens-là, ce sont des humains. Ce sont des humains. Il faut qu'on fasse attention. Regardez la pauvre femme. Regardez la distance où la femme sort. Didier Arafat sur la moto, la distance. Didier Arafat vient, il cogne la femme. Je ne sais pas dans quelle position actuellement la femme, je viens de me réveiller. Je viens de me réveiller. Je ne peux pas accepter qu'en Côte d'Ivoire, toujours nos artistes meurent par ignorance. Nos artistes continuent de mourir par ignorance. Tantôt, s'ils n'ont pas l'argent, ou bien s'il n'y a pas une personnalité politique qui va payer le médicament, ou c'est pas s'ils n'ont pas une personnalité politique qui va réagir, c'est peut-être qu'ils vont mourir par... Non, il faut qu'on change ce genre de système. C'est pour ça que moi, quand je suis dans un combat politique, je sais pourquoi je suis dans un combat politique. Parce que pour nous, il faut soutenir les gens qui vont nous permettre de corriger nos faiblesses dans nos sociétés. Pour corriger certaines erreurs dans nos sociétés. Ici, là, les gens, même, ils sont sous moto, ils font accident, même, ils sont parfois, même, ils sont paralysés. Ils arrivent même à marcher. Didier Arafat est couché sur un sol pendant des heures, sur des heures. Didier Arafat est couché là. Une icône de la musique ivoirienne. Il n'y a pas d'hélicoptère pour venir le prendre rapidement. Parce qu'on connaît les embouteillages d'Abidjan. La municipalité, puisque rien n'a été organisé, il n'y a pas de médecin. Le parcours que la parade, sur quel parcours la parade devait se faire, ça n'a pas existé. Super Capou, la police, là, normalement, il faut des sanctions. Il faut des sanctions si nous voulons corriger les choses. Il faut des sanctions depuis la municipalité. Il faut des sanctions. On ne peut pas organiser une parade dans une commune sans que des dispositions ne soient prises. Voilà une innocente femme journaliste, elle est morte. Parce qu'on n'a pas pris de dispositions. On viendra dire que c'est Dieu. On viendra toujours dire que c'est Dieu et nous les humains. Dieu nous a créés à son image. Il a mis toute l'intelligence en nous. Il nous a tout donné pour que nous créions les conditions d'une certaine organisation. C'est pas Dieu qui va descendre pour faire les choses pour nous. Ce n'est pas Dieu qui va descendre pour faire ça pour nous. Depuis la veille, depuis quelques jours, et puis une parade même. Avant la parade, les autorités devaient être informées.
le parcours de la parade, tout ce qui doit être fait. Donc, si Dieudonné Arafat cogne une voiture, dans les 5 minutes déjà, l'ambulance est déjà là. Dans les 3 minutes, l'ambulance est déjà là. On a déjà récupéré Dieudonné Arafat, on l'a déjà mené à l'hôpital. On y m'a dit, non, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Arrêtons ça, nous les Africains. Arrêtons ça, les Africains. Arrêtons ça. Ce n'est pas au plan de venir faire ça pour nous. Ce n'est pas au plan. Ça, nous les Africains, de continuer de prendre des dispositions pour soigner les faiblesses de nos sociétés. Arrêtons d'être amoureux des individus et posons le débat pour corriger les faiblesses de nos individus. La mort de Dieudonné Arafat m'interpelle aussi. C'est comme si moi, Zasso, je peux être dans ma voiture. Je peux connaître ce genre de problème. Je vais t'étaler au soleil pendant des heures sur des heures. Il n'y a personne pour me surveiller, pour me protéger. Personne. On va aller me faire coucher à l'hôpital. On va dire c'était une licorne. Il était ceci, il était cela. Voilà la société qu'on veut créer. Toujours les mêmes morts. Toujours la même façon de mourir. Même si on ne l'aime pas. Même s'il nous a choqué. Il a fait ceci, il a fait cela. Mais c'est un humain. Quelles que soient ses faiblesses, c'est un humain, c'est un frère, c'est un ami, c'est un cousin, c'est un Ivoirien, c'est un Africain. Une star qui meurt pendant des heures. Mais il faut que le maire s'explique. Il faut que tous les responsables de la commune où il y a eu cette parade s'expliquent. S'il faut des sanctions, il faut des sanctions. C'est comme ça qu'on corrige la société. Pour éviter dans la vie, il faut anticiper. Les blancs ne sont pas forts parce qu'ils sont Dieu. Les blancs sont forts parce qu'ils savent anticiper des choses. Hier, l'autre est mort par accident. Aujourd'hui, c'est l'autre qui meurt par accident. Mais comment il meurt? Comment ces gens se la mettent chaque fois? Parce qu'il y a tellement de légèreté. On leur tolère parfois tout. Une fois qu'ils sont stars, on pense qu'ils sont peut-être des dieux. Ils ne sont pas des dieux. Ne faisons pas eux des dieux. Ce sont des simples stars. C'est un métier qu'ils ont décidé de faire. Mais il faut les canaliser. La société doit les canaliser. C'est pour ça que nous avons des structures. Oui, chers Africains, il est temps qu'on se réveille. Il est temps qu'on se réveille et puis arrêtons d'accuser Dieu. Dieu n'est pas notre ennemi. Il a créé le ciel et la terre en 7 jours. Il s'est reposé le 7e jour. Il nous a tout donné. Il nous a donné l'intelligence pour pouvoir corriger les choses. Ici en Europe, ici, moi, je vois des choses, je suis surpris. Et en Afrique, on passe notre temps à accuser Dieu. En Afrique, on passe notre temps à accuser Dieu. Il y a des gens qui tirent sur des montagnes, des kilomètres, ils tombent. Les os, tout est cassé. On s'arrange, ils sont paralysés, ils vivent. Leurs enfants les regardent au moins. Leurs enfants les regardent au moins. Chez nous, toujours ça meurt. Toujours les artistes meurent. Toujours les artistes meurent. Toujours ce sont les artistes. Toujours ça meurt en Côte d'Ivoire. Et pendant qu'on est en train de pleurer Dieudonné Arafat, il y a certains hommes politiques qui passent leur temps à faire déjà des posts sur choses, comme on appelle ça, faire ce magazine. Comme le Guillaume Soro, pour parler déjà d'armement que Ouattara a acheté. Dites-lui qu'on a compris. Mais j'attends que ça la finisse d'abord, puis je vais lui répondre. Parce que lui, c'est les armes de Ouattara qui l'apprennent, qui l'intéressent pour faire la guerre. Mais nous, on n'est pas là, on plaît Dieudonné Arafat. On plaît pour le mot Arafat parce que c'est un jeu. Un jeune qui s'est battu seul, il fait partie des généraux, il fait partie des assauts. Parce que nous, il n'y avait pas maman, il n'y avait pas papa. C'est une vie qu'on a menée. Beaucoup ne savent pas, ils croient que nous, on est nés comme les autres. On n'a pas eu les mêmes chances dans la vie, mais on a su s'imposer. On a su se trouver une petite place. Nous, on a grouillé, puis on a une petite place. C'est pour ça que quand je suis là, je rends hommage à ma grand-mère et à mon grand-père qui ont été là pour moi. Chacun ne peut pas expliquer sa vie, mais Arafat n'a pas été protégé. C'est un message pour tous les managers, toute l'équipe, toutes ces équipes qui accompagnent souvent les artistes. Regardez l'autre de Bordeaux. Je ne sais pas si c'est de Bordeaux, le Loukoufa, qui a fait un accident étant. Lui, au moins, il a eu la chance parce qu'il y avait les gens là. Bon, ça a vite grouillé, oui, bon, pour lui. Mais regardez pour le choc d'Arafat. En pleine vitesse, une voiture qui n'était même pas en pleine vitesse. La dame n'était pas en vitesse. Arafat était en vitesse. Regardez le choc. Le choc. Quand tu tombes, il faut immédiatement des secours, les premiers secours. Une grande commune, il n'y a pas de clinique, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a rien. On doit attendre les sapeurs-pompiers, tu vois, qui t'es à jamais. Avec tout ce lot d'embouteillage, il n'y a pas d'hélicoptère. Il n'y a pas d'hélicoptère. Immédiatement. C'est pour ça qu'il faut prendre des dispositions quand il y a des parades.
Il faut prendre des dispositions quand il y a des parades. Les gens doivent savoir, le ministère, c'est-à-dire tous ceux qui sont chargés de ça, doivent tous savoir pour prendre des dispositions. Ce n'est pas seulement Arafat. Des innocents pouvaient aussi périr dans ça. Ça peut être un autre enfant, pas forcément Arafat. Tous ceux qui faisaient la parade, ce ne sont pas seulement que des Arafat. Ce sont aussi d'autres Ivoiriens, c'est des citoyens, c'est d'autres personnes qui étaient là. Ils pouvaient aussi mourir là. Non, il faut prendre des dispositions parce que c'est un nombre de personnes. Non, il faut que des dispositions soient prises. On ne peut pas organiser une parade dans une commune tant qu'il n'y a pas d'autorisation claire et tant que les dispositions ne sont pas prises, quel que soit ce qu'il est. Oui, quel que soit ce qu'il est. On va venir ici, on va dire, Yako, yo, on va couler nos larmes, on va rester là. Et puis on est toujours comme ça. On est toujours comme ça. On ne change pas les choses. On ne corrige pas les choses. Mais on fonce. Et puis maintenant, on va accuser les autres. Non, il avait assez d'ennemis. C'est lui-là qui l'avait tué. C'est lui-là qui avait fait ça. Lui, il a dit non, il ne faut pas va organiser ses funérailles parce qu'il a dit que c'était son ennemi. Mais vous-même qui dites ça, là, vous aussi, vous avez été son ennemi. Parce que la preuve en est que Pater fait une parade, vous étiez tous là, il n'avait même pas de casque. Il n'avait pas de casque. Il n'avait rien. Dans quel état était Didier Arafat? Moi, j'ai vu quand il montait sur la moto. Quand il montait sur la moto, il n'était pas... C'était pas trop ça. Moi, j'ai regardé l'image. C'était pas trop ça. Un homme qui a bu l'alcool dans son corps ne peut pas faire. Il ne peut pas. Regardez la vitesse dans une commune. Si ce n'est pas un homme qui a pris quelque chose, boit ou il a fait quelque chose, ça ne c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Oui, même si la. Serge Kofi, même si ça s'est produit à une heure tardive, il doit toujours avoir des mesures. Moi, je dis, je vis en fonction de là où je vis, je parle. Ce n'est pas quel que soit l'heure. Toutes les dispositions sont prises en Europe ici. Quelle que soit l'heure, on prend toutes les dispositions. Même à l'hôpital, là, il y a des gens qui travaillent à minuit, à 22h du matin, tout. Ça, c'est des arguments, il ne faut pas encourager. Ce n'est pas des arguments, ça. Ce n'est pas des arguments. Quand vous voulez corriger quelque chose, il faut les corriger avec courage. À minuit, on soigne des gens, on opère des gens. À minuit, les gens dorment, beaucoup font l'amour, beaucoup on fait, on travaille, nous tous, on est occupés, quelle que soit l'heure. C'est ça aussi qui est la vérité. Alors, je voudrais... Sur ce point, je l'ai dit. Maintenant, les accusations. Je voudrais inviter les gens à cesser la mauvaise foi. Oui, dans tout, c'est-à-dire même aux États-Unis, il y a des DJ. Dans les pays d'Europe, les DJ s'attaquent. Ils font tout ça. Ça s'attaque par mots, mais c'est leur système, c'est leur buzz. Ça permet à ces gens-là d'avoir plus de cotes, plus de popularité. Ça se fait. Mais seulement ce que je veux dire à vous qui soutenez les leaders, vous, ses amis, quand il y a des choses, à un certain moment donné, il faut comprendre que l'artiste derrière lui, il y a trop de monde, il y a trop de fans, il y a trop de monde. Donc vous qui êtes son équipe là, arrangez-vous toujours à prendre des dispositions. Arrangez-vous toujours à un certain moment donné à canaliser vous-même l'artiste. Dites-lui que vous, toi, tu nous payes. Vous voyez, il y a un monsieur dont je vais parler, que j'appelle Fabrice Savignon. Mais je ne dirai pas assez de noms. Dans la vie, là, même quand quelqu'un te paye, il te donne un salaire. C'est-à-dire, quand il te paye, là, il te donne un salaire. C'est pour que tu le protèges. C'est pour que tu fasses de sorte que ce qu'il fait là, il aille de loin, il aille très loin. Donc, il te paye. Il ne faut pas dire comme ton salaire. S'il y a des choses qui ne fonctionnent pas autour de lui, dis-lui que ça, ce n'est pas bon. S'il ne veut pas, tu rentres à démission de façon officielle. Oui, tu rentres à démission et tu dis aux yeux du monde entier, c'est un artiste, je vais aider. Mais comme c'est ceci, c'est cela, moi, je rends ma démission parce que là où on va, là, on ne sait pas. On ne sait pas. Tu rentres à démission. Tu rentres à démission. La famille biologique de Didier Arafat, à la maman Tina, grande sœur, tu viens de perdre ton fils. Grande sœur Tina, tu viens de perdre ton fils. Ton fils, ta fierté, ta dignité. Ta fierté, ta dignité. Je t'ai beaucoup regardé sur les réseaux sociaux, Tina. Souvent, quand je te regarde, je coule les larmes. Je coule les larmes. Tina, quand je te regardais, je coulais les larmes. Tu n'as pas su se ressaisir à un certain moment donné. Tu as fait la musique.
C'est un conseil que je donne, mais je donne à toutes les mamans. Tu as fait la musique. Tu as été star à un certain moment donné. D'accord. Mais Dieu fait de sorte que ton propre fils devienne une star, une icône. Grand soeur, quand ton fils atteint un niveau, toi la mère, tu te ressaisis. Tu te ressaisis, toi la mère, tu te ressaisis. Toi la mère, tu te ressaisis et tu rentres dans l'équipe manager, comme on appelle ça, de ton fils, tu es dedans pour regarder ton fils, pour le protéger. Pour rester là pour ton fils, pour le protéger, tu as passé ton temps à te battre avec ton fils. On ne veut pas qu'on en parle. Moi, je parle de ça aujourd'hui. J'assume ce que je dis. Tu es resté sur les réseaux sociaux. Nous nous connaissons en Afrique. Qu'on se connaît. Tu es resté sur les réseaux sociaux à te battre avec un enfant de 33 ans. Est-ce qu'il t'a dit qu'il voulait naître? Est-ce qu'il t'a dit qu'il voulait naître? C'est toi qui l'as mis au monde. C'est toi qui l'as mis au monde. Son père est parti. Il est mort. Il n'avait plus son père auprès de lui. Il y a des enfants qui sont nés dans des milieux. Parfois, ça dépend. Il n'avait plus son père auprès de lui. Toi, la mère, tu devais te ressaisir. Tu devrais te ressaisir. Tu étais en conflit permanent avec ton fils. Tu étais en conflit permanent avec ton fils. Tu étais en conflit permanent avec ton fils. Tu vois? Si tu t'étais ressaisi, peut-être que le jour de la parade, c'est toi qui devais dire, mon fils, sans le casque, tu ne bouges pas. Tant que ça n'est pas fait, tu ne bouges pas. Tu devais être même dans son équipe auprès de ton fils, en train de le protéger. Tu n'as pas pu. Tu voulais être star. Tu veux qu'on te regarde partout. Tu veux qu'on te regarde partout. Je le dis pour toutes les mères, pour toutes les femmes, vous qui souffrez pour vos enfants. C'est des messages que je vous envoie. Je connais mon passé. J'ai beaucoup souffert. Quand les gens souffrent et puis se donnent une petite place, il faut savoir les aider, il faut savoir les accompagner. Quelle que soit leur faiblesse, nous, notre combat, c'est de les recadrer. Leur dire que ça, c'est pas juste, ça, c'est pas juste, ça, c'est pas juste. Quel que soit ce qu'il est, Didier Arafat ne peut pas mourir comme ça. Il est mort comme ça. Il est mort comme ça. Il est mort comme ça, il est parti. L'enfant est parti. Parce que après le décès du père, la mère n'était plus là. La mère a été dans la musique. La mère dit qu'elle est artiste, elle se vante de tout. Tu te vantes de tout. Voilà ton fils, il est parti très tôt. Parce que tu es dans des buzz. Tu es dans des gains inutiles, des palabres inutiles. L'enfant que tu as mis au monde, tu as fait la fierté. L'enfant que tu as mis au monde, Tina, allez-y, dis à Tina que ça saute. Ton fils est parti. J'ai mal. J'ai mal. L'enfant même vient sur les réseaux sociaux et dit, j'aime pas ça chez ma mère. C'est que ma maman fait, j'aime pas. Mais maman, calme-toi, calme-toi. Parce que ton fils avait vraiment besoin de toi. Son manager dit, il s'est battu seul. C'est vrai, il s'est battu seul. L'Ahmed Bakayoko a fait ce qu'il pouvait faire. C'est pas la mère Bakayoko de tout faire. Il a aidé ton fils à être une icône. Toi, la mère, quand tu consens qu'à un certain moment donné, tout le monde se bat pour donner la vie à ton enfant, tu te ressaisis. C'est un message que j'envoie à toutes les mères. Tu veux être star. Ton enfant est déjà star. Tu as été star. Tu as eu quoi dedans? Tu n'as rien eu dedans. Tu as fait un enfant, tu t'assois auprès de ton enfant, tu le protèges, tu lui donnes la vie. Tu l'accompagnes. Tout ce que ton enfant doit faire à l'aéroport, partout, tu es là. Tu t'imposes, tu choisis les hommes justes qui vont accompagner ton fils. Parce que ton fils, tu veux qu'il soit quelqu'un de grand. Tu as fait les États-Unis. Tu sais ce que c'est que les grandes stars. Nous, on va t'aider à pleurer. Après, on va essuyer nos larmes. Mais à un certain moment donné, tu vas te retrouver seul. Tu vas te retrouver seul. Ils vont l'enterrer, ils vont t'envoyer des dons. On va te donner 20 millions, 30 millions, 40 millions. Je ne sais pas si ça pourra durer pour protéger l'avenir de ses enfants. Parce que si quelqu'un doit protéger ses enfants, si quelqu'un doit sauver ses enfants, c'est Didier Arafat lui-même. Didier Arafat a fait des choses, je fais des vidéos pour dire, ressaisissez-vous, canalisez le petit. Nous, peut-être qu'on n'a pas eu la chance, peut-être cette chance, mais on a eu peut-être une petite chance aussi. Maman Tina, bravo. Je te dis merci. C'est moi, Zasso, qui te parle. Je te dis merci pour tout ce que tu as fait.
Mettre un enfant au monde ne suffit pas seulement. Quand tu finis de le mettre au monde, il faut l'accompagner jusqu'à atteindre ses objectifs. Il faut être auprès de lui. Même s'il y a des choses, des sacrifices que tu dois faire, tu dois tout laisser. Pour donner la vie à cet enfant, il faut le faire. Parce que son père n'est plus là. Son père n'est plus là. Son père est parti. Son père est parti. Ton fils s'est débattu seul. Tu n'étais pas là. Tu étais dans des bars. Tu étais dans des maquis. Tu étais dans des palabres. Chaque jour, tu n'as pas tout. C'est quoi, Tina? C'est quoi? Je ne veux pas te voir pleurer. Hein? Il faut aller t'asseoir dans ta maison là-bas. Tu vas danser, tu vas boire tes champagnes. Faut pas pleurer. Il faut aller t'asseoir, tu vas boire tes champagnes. Faut pas pleurer. Faut pas pleurer. Chez nous là, toi la mère, si tu n'attaches pas ton enfant là, ils vont prendre. Dans l'adversité là, quand quelqu'un est dans des conflits avec des gens, toi la mère, tu dois être auprès de ton fils. C'est toi qui dois protéger ton fils. Parce que tu es la mère. Parce que tu es la mère, je m'adresse à toutes les mamans du monde, dont les enfants des rêves. Dont les enfants se débattent pour se faire une place. Aidez vos enfants. Accompagnez-les. Soyez auprès d'eux. Suivez tout de près. Ne les lâchez pas. DJ Arafat est mort parce qu'il n'avait personne. En réalité, il n'avait personne. Il n'y a pas quelqu'un pour lui dire non. Parce que tout le monde regarde l'argent. Pour de l'argent, on est prêt à participer à tout. Même si ce n'est pas bon, on est d'accord. Parce que c'est l'argent. L'argent. Voilà la mentalité des Africains. Avec l'argent, ils peuvent tout contrôler. Avec l'argent, ils peuvent tout détruire. Non. Ici, nous vivons dans des sociétés où tu n'as même pas besoin de quelqu'un pour respirer. On crée des sociétés. Quand tu es malade là, tu prends ton main, on vient tout de suite rapidement, on te stresse, on avance. Donc, on est ici, arrêtons nos hypocrisies. Mola et autres n'ont pas tué Didier Arafat. Ils ne sont pas responsables de sa mort. Oui. Parce que si vous accusez les Mola, nous aussi, on va vous accuser. Parce que vous étiez là quand ils prenaient la moto. Et vous savez que c'est une parade. Vous avez été à l'école. Vous savez qu'on ne peut pas faire une parade sans casque. On ne peut pas faire une parade sans disposition sécuritaire et autres. Vous saviez tous, mais vous avez participé à ça. Vous êtes restés muets. Vous n'avez rien fait. Aujourd'hui, vous venez sur les réseaux sociaux, narguez les gens, versez toujours vos larmes. Les larmes n'ont jamais fini. Et la jeunesse meurt comme ça. À tout moment, les jeunes meurent. Les jeunes s'en vont par ignorance. La Bible dit, mon peuple souffre par manque de connaissance. Mon peuple souffre par manque de connaissance. Mon peuple souffre par ignorance. Mon peuple souffre par idiotie. Faire une parade, je veux des sanctions. Il faut qu'il y ait des sanctions. Je m'adresse aux autorités. La plupart de tous ceux qui dirigent ces pays ont gouverné, ont fait l'Europe. Prenez à partir de maintenant des dispositions parce que il faut faire de sorte à faire de sorte que l'espérance de vie de la génération actuelle, ici l'espérance de vie là seulement, les gens meurent à 100 ans, 85 ans. Nous, chez nous, là-bas, on meurt à 18 ans, 19 ans, 20 ans, et puis on justifie ça. On dit Allah Kadia, c'est Dieu qui a donné tes dix. Voilà, donc, ça dit que voilà le slogan des gens. Souvent, tu souffres, tu es dans des problèmes difficiles. Tu as besoin des gens pour t'aider. Ils ont les moyens, ils sont riches, ils ne veulent pas t'aider. C'est quand tu vas mourir là, ils vont venir faire les gros discours. Ils vont venir faire les gros discours parce que tu es mort. Alors qu'ils avaient les moyens pour t'accompagner, t'aider. Ils avaient tous ces moyens pour te dire, voilà, fais ce que tu as envie de faire. On te soutient. Quand on va mourir, on va venir faire les bâches, les chaises, on va danser. Et puis après, quand ils vont finir tout ça là, tes enfants vont appeler, ils vont fermer tous leurs téléphones. Ils ne vont même plus jamais répondre tes enfants au téléphone. Ce que je vous dis, c'est une vérité que je vous dis. Battez-vous pour donner la vie à vos enfants. Ils ne vont plus jamais répondre tes enfants au téléphone. Tes enfants seront seuls, ils seront dans les rues. Tes enfants seront dans les rues, seuls. C'est pour ça que je dis, quand vous menez des combats, ne menez pas des combats pour faire les gens. Menez des combats parce que vous, votre vie est dedans. Qu'est-ce que tu deviens dans la lutte que tu mènes? Dans le combat que tu mènes? Qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants? Qu'est-ce que tu laisses à ta femme et à tes futurs enfants? Voilà le vrai combat que nous devons mener. Arrêtons de jouer les jeux.
Arrêtons de mourir et de pleurer pour les gens. Battons-nous pour nous-mêmes. Parce que nos enfants-là, ils n'ont pas choisi de naître. Ils n'ont pas choisi, c'est nous. C'est nous qui l'avons fait. Nos relations, notre amour, tout ce qu'on fait là, c'est le résultat. Donc protégeons les enfants. Oui, protégeons les enfants. Il y a certaines personnes qui participent à détruire d'autres personnes. D'autres personnes, quand quelqu'un n'est pas à l'aise dans quelque chose, aidez-le à sortir de la chose. Quand quelqu'un ne se sent pas bien dans un système, dans un couple, dans un foyer, dans une vie, dans une société, aidez-le à sortir. Ne l'encouragez pas pour le miette, pour de l'argent, parce que vous participez à détruire la personne. Par ignorance, vous participez à détruire cette personne. Les femmes, les enfants, nombreux sont dans cette situation. Et par ignorance, par idiotie, certaines personnes acceptent tout ça au nom de l'argent. L'argent. Alors, je voudrais encore dire aux Ivoiriens, arrêtez d'accuser. Quand une situation arrive, faisons comme les Blancs. Quand ça arrive aujourd'hui, ils prennent des dispositions. Normalement, après ça, il faut des enquêtes. C'est normal. Comme Mahdi Djarafat peut rouler en état d'ivresse, il a bu. Moi, j'ai vu la moto, il a bu. Comment quelqu'un qui a bu est sur une moto? Il n'est pas protégé, rien. Donc, nous attendons la suite des choses. Il faut que demain, les autorités prennent beaucoup de dispositions. Prenez beaucoup de dispositions parce que vous faites déjà un excellent travail. Je sais que la tâche n'est pas lourde parce que tous ceux qui vous ont succédé n'ont pas véritablement travaillé. Vous êtes aujourd'hui le seul pouvoir qui fait beaucoup d'efforts, mais de grâce, dans les communes, surtout les grandes agglomérations. Essayez de revoir les conduites en état d'ivresse. Des gens qui ont bu, qui sont sous les volants, arrachez-les leur permis, interdisez-les de conduire. Prenez, soyez rigoureux. La police, la gendarmerie, tout le monde, je vous interpelle, parce que vous êtes là pour sauver les vies humaines. Vous êtes là pour sauver les vies humaines, vous avez prêté des serments. Ne laissez pas des gens conduire n'importe comment. Ne laissez pas les gens faire ce qu'ils veulent. Protéger la vie des autres. Les laisser faire, c'est les amener à détruire les faibles. Je sais de quoi je parle. Nos sociétés, on a beaucoup de choses à corriger. Chacun de là où il est doit faire sa part. Doit faire son travail dans chaque société. Didier Arafat est mort par ignorance et par faiblesse. Il est mort par ignorance, par faiblesse de beaucoup de choses. Manager, tout le monde, on est tous coupables. On n'a pas accusé quelqu'un ici. On est tous coupables parce qu'on n'a pas fait notre part. Nous, les assos sur les réseaux sociaux, on disait, on dit non, les assos, ils attendent comme ils vont t'insulter, ils vont dire, ils aiment insulter. Quand tu parles, ils ne cherchent pas à comprendre, mais c'est injure. Essuyons nos larmes. J'invite les Ivoiriens à la mobilisation, accompagnons Didier Arafat. Doug Saga est parti, Arafat s'en va. Arafat est parti. Oui, les rues tendues sont parties. Beaucoup d'artistes sont partis. À cause des rivalités, ça existe, ce sont des rivalités qui existent, on n'y peut rien. Ça existe partout, ces rivalités, elles peuvent être d'être mystiques, sorcellerie, envoûtement, empoisonnement, tout ça, ça existe. Parce qu'en Afrique, nos artistes n'ont pas de grande vision. Vous vous battez pour des trucs inutiles. Vous êtes artistes, les fans qui vous aiment, qu'est-ce que vous leur apportez? Les fans, ils vous aiment, mais vous apportez quoi? Parce que vous n'êtes pas solidaires, vous les artistes de Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas solidaires. Alors que l'artiste doit participer à la stabilité, à beaucoup de choses dans le développement du pays. Vous, vous engagez beaucoup de personnes qui vous font rentrer de l'argent. Donc, les artistes, à un certain moment donné, quand votre pays a connu la guerre et des milliers de bons parents sont morts, arrivez à vous éduquer vous-même. Arrivez à vous changer vous-même. Vous, les artistes de Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je suis fier du jeune Assalfo. Je suis fier du jeune Assalfo parce qu'il est discipliné, bien organisé. J'aurais voulu voir Arafat, les Didier Arafat, et l'autre, comme on appelle, de Bordeaux, et l'autre, comme on a ensemble, aller faire des dons dans des régions où des enfants ont été humiliés, tués, frappés. Ces artistes pouvaient aller même solliciter leurs amis artistes de l'Europe et puis apporter plus de l'aide à leurs frères qui sont morts. Ils sont restés dans des conflits inutiles pendant des années.
Et plus vous restez dans des conflits, plus vous mourrez. Plus vous êtes dans des conflits, vous mourrez. Aujourd'hui, c'est Didier Arafat. A-t-il le tout demain? A-t-il le tout? A-t-il le tout demain? Tirons les leçons, chers amis. Tirons les leçons d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il est parti. Mais nous qui restons, c'est le moment de bien réfléchir maintenant. Parce qu'on est tous appelés à partir. Mais qu'est-ce qu'on laisse? On laisse quoi? La haine, la division, les conflits inutiles dans un pays où la population est pauvre. Dans un pays où la jeunesse souffre. Les gens sont dans la misère. Vous sortez de la misère, vous avez une petite chance. Et c'est vous qui devenez orgueilleux, gonflé, injurieux. Vous ne respectez personne comme artiste. Vous êtes matin, midi, soir sur les réseaux sociaux en train d'exposer vos lacunes, vos légèretés. Vous voulez qu'on vous regarde. Alors que vous venez d'un pays où les parents étaient tués, des guerres. Vous-même, vous saviez tout. Mais réfléchissez, vous les artistes. Réfléchissez. Et ces choses-là, transformez ça en des forces pour participer à beaucoup de choses dans votre vie. C'est pas seulement danser, faire musique. C'est pas forcément avoir les copines, les go, les quoi, c'est des conneries, ça. C'est des conneries. J'ai baisé une femme de lit là, je n'ai pas baisé une femme de lit là, j'ai couché une femme de lit là, je n'ai pas couché de lit. Tu es comme ça, tu n'es pas. C'est des bêtises. Moi, je vous dis ça, c'est des bêtises. Après toi, l'artiste, tu as fait quelle œuvre? Quelle œuvre vous avez posée? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour vos frères et sœurs ivoiriens, pour votre pays? Voilà ce qu'on vous demande. Chers amis artistes, menez des combats juste pour que votre Burida ne soit pas otage des systèmes politiques. Pour que le Burida fasse de sorte que les artistes soient dans de bonnes conditions. Quand vous êtes malade, vous êtes à la retraite parce que c'est un métier. C'est ce que vous avez choisi de faire. C'est votre métier. Si vous êtes à la retraite, Burida doit s'occuper de vous. Burida doit mettre vos enfants à l'école. Vous devez être soigné. Burida ne doit pas être otage d'un groupe d'individus qui deviennent des milliardaires matin, midi, soir. Et vous appauvrissez les artistes. Vous mourrez dans des conditions difficiles. Le Burida est otage des individus. Les gars du sont venus s'asseoir au Burida. Ils se sont enrichis. Aujourd'hui, il est devenu pro-babon. Nombreux d'entre eux ont payé des milliards à Burida. Ils sont maintenant en France, ils font la politique. D'autres sont assis là. Et matin, midi, soir, les artistes meurent. Il n'y a aucun système alors que la Côte d'Ivoire est un grand pays. Au Nigeria, au Ghana, les artistes sont les meilleurs. Ils sont puissants, ils sont forts. En Côte d'Ivoire, ils sont dans des conflits. Chaque jour, leurs amis meurent dans des conditions difficiles. Les artistes devaient aussi organiser les parades. Si vous deviez faire des parades, vous devez être là pour dire non, Didier Arafat, tu dois bien t'habiller. Didier Arafat, voilà la vitesse à laquelle tu seras limité, parce que voilà les dangers que tu cours. Il faut expliquer les choses aux gens. C'est pour ça qu'il faut avoir les bons conseillers. Il ne faut pas avoir des conseillers à qui. Il faut seulement donner l'argent et arrêter à ne pas dire non. En tout cas, moi, c'était mon message. Je voudrais encore dire Yako. Didier Arafat est mort par excès de vitesse, par ignorance, par faiblesse de beaucoup de systèmes qui n'ont pas su fonctionner. Ça n'a rien à voir avec Dieu, c'est ma conclusion. Dieu n'est pas responsable. Dieu lui a déjà tout donné. Mais comme Dieu n'est pas sur place, il est partout. C'est-à-dire, toi, il t'a donné pour toi aujourd'hui. Si toi, ton entourage, vous n'avez pas bien géré, il s'en va à Korogo. Il est en Chine, il est au Japon. C'est-à-dire, lui, il est partout, Dieu. Dieu, il est partout. Il n'a pas tant. Si pour toi, il t'a donné. Et puis tu t'amuses avec ça. Il est là, il regarde. Il va laisser le diable te détruire. Donc pour ne même pas arriver à beaucoup de ça, il dit, bon, j'organise des systèmes, des autorités, systèmes politiques et tout ça. Quand quelqu'un doit faire une parade, il faut que ça soit comme ça, il faut que des dispositions, tout soit appris. Une fois que le gars fait un accident, automatiquement, hélicoptère ou voiture, on a beaucoup de choses dans ce pays. On prend rapidement les premiers secours. Le gars, il peut vivre, il peut regarder ses enfants. Il peut regarder ses enfants. Didier Arafat n'avait pas pu s'occuper de ses enfants, il est parti. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'était Zassouan Global. Depuis la Suisse. Ouais. C'est parce que je vis ici que je parle comme ça. Ma Côte d'Ivoire, c'est ce que j'ai dénoncé, mais on ne m'a pas compris. On attend qu'il y ait des morts. Chez nous, en Afrique, on laisse les choses faire. On tolère certains désordres, certains comportements d'individus. On encourage certains comportements d'individus qui se prennent pour des dieux sur la vie d'autres personnes. Ils ne respectent pas. Ils s'en foutent. Mais quand le pire arrive, c'est les pauvres qui prennent le coup. Aujourd'hui, la Chine populaire est en train de pleurer. Courage à vous, la Chine populaire.
Bravo à vous parce que vous avez été avec DJ Arafat. Bravo aux artistes de Bordeaux. Comment ils s'appellent? Bon, je connais pas leur nom. Je connais de Bordeaux. Je connais comment ils s'appellent, le jeune aussi qui était constamment en conflit avec Arafat. Comment ils s'appellent? J'oublie beaucoup leur nom. Aidez-moi à connaître un peu leur nom. Oh, je voudrais vous dire Yako aux artistes de Côte d'Ivoire, Yako à tout le monde, Buruda à tout le monde, Yako à vous tous. Yako, courage aussi, beaucoup courage à vous. Je vous aime, battons-nous pour corriger les choses, aider à corriger nos sociétés. C'est le combat que nous devons engager. Je vous aime, Dieu vous aide. En tout cas, dans vos maisons, partout où vous êtes, surtout les mamans, partout, apprenez à être auprès de vos enfants, encouragez-les. Il y a des systèmes, quand ça ne vous arrange pas, sortez de ces systèmes. Ne restez pas otage de beaucoup de choses. Voilà, parce que la vie de vos enfants doit être une priorité pour vous. L'argent ne doit pas vous renfermer dans un système. Nous nous battrons toujours pour que dans nos états, les femmes soient beaucoup plus protégées avec leurs enfants. Avec leurs enfants, nous arriverons à mener ce combat jusqu'au bout. Alors, merci à voilà, la Serge Beno qui est là. Il y a Ariel, voilà, Serge Beno, Ariel Chélé. Vraiment, en tout cas, il y a quoi, vous tous? C'est le moment de vous unir. C'est le moment d'être une seule famille. C'est le moment d'être des frères. C'est le moment d'être des cousins. C'est le moment d'être des amis. Parce que après, avant Arafat, il y a eu beaucoup qui sont tombés. Tirez les leçons, chers amis. Unissez-vous, soyez des frères. À participer à la stabilité, à la paix et au développement de votre pays. Votre pays est un grand pays. Vous êtes né d'un grand pays. La Côte d'Ivoire, c'est une fierté. Moi, je compte sur vous, les artistes. Je compte sur votre unité, chers amis. Il y a des bordeaux. En tout cas, merci, Yako, à vous tous. Merci au ministre de la Culture. Encore merci au ministre de la Culture. Merci au ministre Ahmed Bakayoko. Merci à tout le monde. Merci pour tout ce que tu as fait pour Arafat, monsieur le ministre Ahmed Bakayoko. Yako, Yako à la famille d'Arafat. Vraiment, Yako à la Chine populaire, parce qu'il aimait beaucoup sa Chine populaire. Mobilisons-nous pour l'accompagner. Moi-même, je serai à Abidjan. Je serai à Abidjan pour les funérailles. Je serai là. En tout cas, merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Continuons de pleurer la tisse. Dieu le protège auprès du Père. Que le Père l'accepte. Amen. C'était Zassou en global.